En rang devant leur établissement, les écoliers et lycées de Ndiago avaient certainement l'esprit ailleurs depuis qu'ils ont appris que l'électricité fera son entrée dans la ville. Les problèmes liés à l'absentéisme, au manque d'enseignement et à la déperdition scolaire ont été un moment clipsés par les discours sur les bienfaits de l'électricité en milieu scolaire. Je ne peux pas me réjouir de l'inauguration de ce projet que nous attendions avec impatience, dit cet élève. C'est sûr et certain, nos niveaux vont s'améliorer car nous pourrons maintenant profiter de la lumière électrique pour étudier le soir. Pour ce professeur, les avantages de l'électricité sont multiples. Nous allons pouvoir mettre pleinement à contribution les matériels et équipements informatiques que nous avons, mais aussi mieux préparer nos cours. Les 430 élèves, dont 200 au fondamental et 130 au lycée Ndiago, apprécient à sa valeur l'électrification de la ville. Ils demandent toutefois à faire plus pour la réhabilitation de leur établissement scolaire et son équipement en moyens pédagogiques.